Dans Jean chapitre 14, la Bible dit, Jean 14, verset 16, il dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaîtrez, car il demeure avec vous. » Voilà. Merci. Je voudrais vous parler de la vérité. J'appelle ça l'Esprit de vérité. Beaucoup d'entre vous, je sais que vous souffrez. Et je pense que quand vous pensez que quand vous souffrez, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient agir sur votre vie. Vous pensez généralement qu'il y a quelqu'un qui agit sur votre vie. Junior, prends la dernière chaise aussi. Tu mets ça ici devant, s'il te plaît. D'accord. Il faut déposer là. Junior va t'aider. Ok, il est là pour ça. Junior, sors ce qu'il y a dans le truc. Tu mets là-bas, s'il te plaît, Junior. Je voudrais que vous compreniez que vous avez trop de motifs dans votre cœur qui est contraire à ce que le Seigneur a pour vous. Certains d'entre nous, on est assis ici, là, on ment. Vous savez que le boulot que vous avez, vous êtes arrivé là-bas avec un mensonge. Vous êtes peut-être dans une relation où vous avez menti à la personne. Je veux qu'en sortant d'ici aujourd'hui, que vous nettoyez votre cœur. Vous enlevez les mensonges que vous avez mis dans votre cœur. Vous enlevez les ralentissements que vous-même vous êtes mis dans votre cœur. Et j'insiste tellement là-dessus parce que ça ne va pas se faire seul. Mbappé, si tu peux te pousser comme ça, il va aller là-bas derrière pour faire ça. Voilà. Vous savez, je viens de lire Jean chapitre 14 et la Bible a dit que c'est l'Esprit de vérité qu'il va nous envoyer. Et je sais que les Camerounais aujourd'hui pensent qu'on ne peut pas faire quelque chose dans la vérité et on avance. Ça va vous profiter de mettre la vérité dans votre vie. Je ne vous mens pas. Moi, je vous dis clairement. Arrêtez le faux. Arrêtez le mensonge. Il y a des filles ici là que vous gérez. Je sais que vous êtes en train de me regarder actuellement. Vous gérez même trois gars. Et quand on vous demande, vous dites que, on va faire comment? Tu es là, tu veux séduire le gars, le mari d'une autre femme. Dieu ne peut pas bénir le mensonge. Je veux vraiment que ça, c'est ce que tu as de mettre à cœur ce soir. Dieu ne peut pas bénir le mensonge. Et même s'il bénit pour un moment, après un moment, ça va s'arrêter. Et quand on dit qu'on veut être béni, ça veut dire qu'on veut aller sur le long terme, sur la longévité. Si les gens qui ne servent pas Dieu font le faux, vous-même qui servez Dieu, vous faites le faux, Dieu va descendre et va voir la différence comment. Il ne peut pas voir la différence. Et chaque personne qui a eu accès à votre corps, à votre vie, c'est peut-être parce que ton père a fait le faux. Tu es en train de payer pour ton père. Ta mère a fait le faux, tu es en train de payer. Soit toi-même, tu as grandi, tu as commencé à faire ton faux. Et quand tu faisais le faux, c'est parce que tu as vu à quelqu'un. Tu as vu, tu es parti faire. Je veux que chacun ici, comme tu as dit que tu es venu, tu as porté ton corps seul. Chacun est venu ici là seul aujourd'hui. Que tu prennes que Seigneur, voilà ma propre vie que je dépose à tes pieds. Pas moi, pas mes enfants, pas mon mari, mais moi. C'est pour ça que tu vois, tu commences quelque chose, après ça fait les turbulences. Tu commences à faire les turbulences. Parce que vous ne voulez pas mettre la vérité totale dans ce que vous faites. Je ne vais pas vous mentir. L'esprit de vérité libère. Et les gens fuient ça parce qu'au début, c'est difficile. Au début, travailler avec l'esprit de vérité, c'est difficile. Parce qu'on va te dire que si tu volais ici, là, arrête. Si tu mentais là-bas, arrête. Si tu venais comme ça là-bas, arrête. Et comme tout ce que tu connaissais jusqu'à aujourd'hui, ce n'était que le vol. Tu vas dire que, je vais faire comment? Ça veut dire qu'il ne veut plus vivre. Il y a une vie après le vol. Il y a une vie après le mensonge. C'est là que ton vrai gars va te localiser. Hein? Le gars que tu as pris parce que tu allais séduire quelqu'un là. La séduction que tu as fait là, ce n'est pas comme ça. Donc je sais que c'est un peu bizarre pour certains d'entre vous. Mais moi, je vous demande aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez, vous faites, on prie pour vous. On prie. Récemment, j'ai une dame. J'ai prié pour la femme. Je prie, elle assiste aux prières. Après, je vois les trucs bloqués. Je dis, mais c'est bizarre. Un jour, elle m'a ouvert sa bouche. Oui, il y a telle personne qui me suit spirituellement. Il y a telle personne qui me suit spirituellement. Bon, je vais d'abord faire ça chez toi. J'ai dit que ma chérie, s'il te plaît, c'est moi qui te chasse. Pas. Soyez un. Jésus a dit ceci. Si ton œil, if your eye is single, ça veut dire que si ton œil voit un seul chemin, toute ta vie sera éclairée, ton corps sera éclairé. N'ouvrez plus la porte au diable dans votre vie. Je vous en prie. Parfois, on te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Demain, ça rentre encore.
Parce que là, au moment de délivrer, là, tu es encore parti coucher avec la personne là, c'est entré. Tu es encore parti là-bas, tu as pris, c'est entré. Tu as détourné peut-être l'argent. Et vous savez que les gens qui souvent viennent pour vous donner certains argent, ce n'est pas bien. Vous savez ça. Purifiez les motifs de votre cœur. Parce que Dieu veut faire les choses dans votre vie, mais ça le bloque. Ça le bloque, moi, il vous dit. Et parfois, vous venez. Oh, et quand tu manques, quand vous venez me mentir, c'est souvent vous venez en consultation. Vous me dites quelque chose. Vous mentez, vous gardez une partie derrière. Si tu as volé le mari de quelqu'un, tu l'as volé, vous voulez marier. Au départ, ce n'était pas ton mari. Maintenant, une autre personne vient voler l'homme là. Tu veux me voir pourquoi? Je peux même faire un truc qui va clocher bizarre. La première personne à qui tu vas voler là, elle peut aller dire que je réclame mon mari. Ou elle dit que je gâte votre relation. Donc fermez les portes, fermez. Je vous demande s'il vous plaît, mettez la vérité dans votre vie. Parce que les gens n'aiment pas, parce que le chemin de la vérité est trop long. On trouve que c'est long, c'est comme les escaliers. Je ne pense pas que quelqu'un peut tomber sur les escaliers. C'est l'ascenseur que ça peut se gâter en route, en l'air avec toi. Mais les escaliers montent seulement un à un, tu vas arriver. Un à un, et quand tu montes là, quand tu as monté une marche là, tu es sûr, ton pied est bien solide. Il n'y a pas le vide en bas. Il n'y a pas le vide en bas de tes pieds. On est dans une génération, les gens voient en ligne aujourd'hui. Vous voyez en ligne aujourd'hui, tout rond, oh, elle a eu sa part en tel nombre de temps. C'est ça qui vous plaît. Seigneur, je veux mon mari en deux jours. Je veux cesser en deux jours. Je vous en prie. Il y a un psaume qui me plaît beaucoup, le psaume 1. Et c'est que les enfants de Dieu, vous aimez beaucoup, quand vous aimez les bonnes prophéties. Mais Dieu lui-même, avant qu'il ne mette la prophétie et qu'il te dise que tu vas avoir ça, lui-même dit d'abord que nettoie, purifie tes mains. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il y en a ici parmi vos mères vous ont donné les mauvais conseils. Va, séduis le gars là, fais comme ça. Même en Europe, les gens arrivent en Europe pour te prendre les faux kaolo. Tu ne peux pas prendre les faux kaolo, tu travailles avec. Oh Seigneur, bénis ma dîme. Non, la personne, tu es petit avec le nom de quelqu'un d'autre. Tu as menti. Les gens ont menti pour avoir les papiers. Seigneur, comme j'ai les papiers là, bénis mes papiers. Arrêtez, s'il vous plaît. Il y avait les gens que vos enfants là, dans l'acte de naissance, ce n'est même pas dans ton nom ou le nom de son père. Revenez dans le droit chemin. Parce que c'était à refaire, vous le referiez. Et le Seigneur parfois te tente, il va encore le mettre. Est-ce qu'elle va faire la même chose qu'elle a fait il y a 105 ans? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire que tu sais Dieu, ça te plaît. Pas que quand on dit qu'il faut prier, tu dis ah. On dit qu'il faut peut-être donner les aumônes, tu dis ah. Payer ta dîme, tu dis ah. Il faut mettre la vérité dans ta vie, tu dis ah. Ça doit se faire avec plaisir. Même dans le vestimentaire. Il y a les filles qui s'habillent, tu peux l'employer quelque part. Par exemple, tu dis que si elle laisse mon mari avec la fille, là, c'est dangereux. Les intentions de l'enfant ne sont pas bien. Purifiez-vous, faites ce que vous faites avec les bonnes intentions. Vous allez voir comment Dieu lui-même va vous pousser à la bénédiction. La Bible, ça ne manque pas. La Bible ne manque pas. Et vous croyez que la Bible manque parce que vous voulez, on ne peut pas faire, tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu voit ton cœur. Je parle comme ça pour que ça sonde vos cœurs, vous-même. Pour que ça sonde le cœur de chacun d'entre vous. Et le pire encore, c'est quand tu t'assois quelque part, tu vois les gens manquent, tu ne parles pas. Tu fermes les yeux, tu fermes, tu passes. Tu dis que non, moi, ça ne me concerne pas. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La première partie là, on n'a pas encore parlé de bénédiction. Hein. On te donne d'abord les instructions. Dieu fonctionne avec les instructions. Et si on ne peut pas vous instruire, vous allez oublier. Vous allez souffrir. On est là pour le sel. Seulement le sel là. On est là pour le sel. Tu fais deux jours, après tu laisses. Tu me dis, je souffre. On m'a fait ceci la nuit. Je vous en prie. C'est votre propre corps. C'est votre vie. On ne force pas quelqu'un sur ça. Oh, je veux que mon mari fasse. Je veux que ma fille fasse. Je veux que. Laissez-les. Je pense que ta propre vie d'abord, c'est déjà beaucoup. Même faire d'abord soi-même, c'est du non. Il y a des gens qui rentrent comme ça, c'est difficile, non? Même pour prier la bouche, je ne souffre pas, non? Ta parole d'abord, c'est dur. Tu veux porter quelqu'un pour aller mettre derrière toi. Préoccupe-toi de ton corps. Purifie-toi. Il dit maintenant qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que tu peux naïo. Tu sais que quand mon temps va venir, ça va donner. Et quand le gens l'a donné, personne ne peut prendre. C'est pour ça que tu prends aujourd'hui, ça marche. Demain, ça tombe.
Tu commences à pleurer. Et dans le psaume 23, le Seigneur dit ceci. Il fait prospérer David en présence de ses ennemis. Il y a un degré où tu restes devant les gens, ils te voient prospérer. Ils ne peuvent rien. Parce que la vérité t'encercle. On va aller sur Job. Job chapitre 1. C'est ce genre d'enseignement que vous n'aimez pas. Vous aimez quand on dit que je vais te bénir. Le Seigneur va te bénir. Vous dites Amen. Je ne vais pas vous donner ça aujourd'hui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'a pas dit mon riche Job, il a dit mon serviteur. Parce qu'il le servait dans la droiture. Il continue, il dit ceci. Il dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Écoutez, dans le temps de Job, il y avait les pécheurs. Il y a toujours le péché. Ne croyez pas que c'est peut-être maintenant qu'on voit TikTok, que c'est maintenant qu'il y a le péché. Il y a toujours eu le péché. Mais il y a aussi des gens que dans le péché, ils disent, ils choisissent. Je ne vais pas me mettre dans ça. Je veux que ce soit votre témoignage, je veux que ce soit pour vous. Parce qu'on ne poursuit pas Dieu seulement pour les bénédictions. Si c'est ça, c'est que demain, quand on va vous dire qu'une autre personne, là-bas, on est bâti là-bas. Mais quand tu poursuis Dieu pour la vérité, même dans ta chambre, Dieu va te trouver là-bas. Il a dit, fermez la porte de votre chambre. Ce que vous faites dans le noir, ça va se connaître plus tard. Ça va se récompenser devant les gens. Je vous en prie, changez votre cœur. Il y en a ici que je vous vois souffrir, ça ne me plaît pas. Je fais tout, je parle, je fais n'importe comment. Je suis sur les directs tous les jours, je vous parle. Après, voilà, tu vois la personne après 6 mois. Son visage est tout bizarre. Que maman, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis ce qu'elle te donnait, oui. Tu fais, oui. Bon, il y a l'autre là. Tu as arrêté l'autre. Non, je n'ai pas arrêté parce que tu vois, j'ai arrêté de faire comment? Tu vas souffrir un peu, mais ça va aller, ma chérie. Il y a cette relation que si tu arrêtes, tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Satan lui dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te craint? N'as-tu pas protégé lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Et tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Ça veut dire que les gens le voyaient prospérer, mais il était couvert, il y avait quelque chose autour de lui. Il y avait quelque chose autour de lui. C'est ça que je veux vous donner ça aujourd'hui. Ça vient d'avoir une partie, mon obéissance, mon sacrifice. Et ce n'est pas impossible. Et c'est que vous croyez que les gens qui ne prospèrent pas en servant Dieu, ça se fait. Je vous dis, ça se fait. Jusqu'à tu restes comme ça, personne ne peut venir quelque part, il t'accuse. Qu'elle avait couché avec elle là-bas, elle avait volé mon mari. Oh, il avait volé dans mon âme. Non. Tu es toujours droit. Tu sors d'une attaque, d'un comment avec quelqu'un. Tu sais que toi, on fait n'importe comment, tu sors avec la main autre, que je n'ai pas fait quelque chose de mal dans cette affaire-ci. Parce que le Seigneur, la justice triomphe toujours. Vous devez comprendre ça. La justice triomphe toujours. Et Dieu voit votre cœur. On ne trompe pas Dieu. Même si moi, je viens mettre ma main là. Il y a des gens qui viennent souvent me voir. Je vais prier pour la personne. Dieu me dit non. J'ai prié, il dit que non. Finalement, il demande à la personne, c'est quoi non, mamie? Tu parles, après tu vois que la personne, comment elle est venue comme ça là. Dans son cœur, il y a plein de mauvaises choses. Il dit que la mamie, laisse-le. Il dit, va seulement arranger les choses là. Elle parle, ne fait pas. Après, elle ne te contacte plus. Parce qu'elle veut garder ces choses dans son cœur. Et elle veut que tu viennes. Non, j'ai dit non. Je ne veux pas prendre tes démons. Je ne veux pas de tes démons. Je vous rappelle souvent l'histoire de Géasi. Naaman est venu, on l'a guéri. Quand on l'a guéri, il voulait porter son argent pour donner. Et Isaac dit, il ne faut pas moi ton argent. Quand Naaman a poussé, la maladie qu'il prenait. Donc je vous en prie. Quand Dieu dit qu'il protège, Dieu ne ment pas. Mettez un peu Dieu au test. Tu dis que Seigneur, tu as dit, ok, je te prends au test Seigneur, protège-moi aussi, je vois. Tes enfants ne seront pas touchés. Ta maison ne sera pas touchée. Ton argent ne sera pas touché. Donc je vais vous lire en dernier le psaume 23. Psaume 23, la Bible dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ça veut dire que tu auras les mauvais jours. Tu auras les jours où ta tête va faire comme ça va exploser. Mais tu ne crains pas parce que tu vas sortir de là. Junior, donc ferme la porte là s'il te plaît. La porte là est en train de faire les travaux là. Et il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Après il dit, tu dresses devant moi, c'est Dieu qui vous donne. Tu laisses ton appel, on te dit, mamie, prends. Une fille l'autre jour, je lui ai fait son lavage. Elle me dit que son oncle qui ne lui donnait jamais plus de 90 000 l'a appelé, lui a donné les papiers du terrain. Depuis des années que son père, ses parents de la fille, donc, il est élevé, elle est orpheline.
Il grandit, elle a grandi chez le monsieur. Le monsieur n'avait jamais plus de 90 000. Ça veut dire que sur lui, avait le terrain de ses parents. Quelque chose comme ça. Il avait gardé. On fait son lavage, le monsieur l'appelle, dit que viens, elle vient. Il prend un papier, il te dit que c'est pour toi. Fais ce que tu veux de ça. C'est Dieu qui va parler aux gens là pour qu'ils vous donnent. Mettez la droiture dans votre corps, s'il vous plaît. C'est le Seigneur qui donne. Et les bénédictions que tu vas rester au salaire. Dieu va te bénir. Les gens vont demander, mais tu as fait quoi? Tu arrives, on vend un terrain à 50 millions. On te vend ça à 10 millions. On fait les papiers rapidement comme ça là. On te donne. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et la personne te dit que paye quand tu veux. Si tu veux, tu payes moi 10 fois. Je vous dis les bénédictions que Dieu donne aux gens. Tu es là depuis 10 ans, cherche le terrain. Tu pars à tel endroit, tu fais. Après, on te dit que wow, il y a quelqu'un qui a 5 personnes qui ont acheté le terrain là. Mettez Dieu dans vos choses, allez voir. Mettez la droiture dans vos choses, allez voir. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Écoutez bien, hein. N'ayez plus peur de prospérer devant les gens. C'est-à-dire, tu t'assois, ton ennemi est là-bas, tu sais qu'il te voit, tu sais qu'il voit tes statuts, tu sais qu'il vient sur ton WhatsApp. Mais tu n'as pas peur de lui. Je n'ai pas peur de mon ennemi. Répétez après moi. Je prospère en face de mon ennemi. Voilà. J'espère que ça va rester dans votre cœur. J'espère que ça va entrer dans votre cœur. Il dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire que tes choses augmentent. Ça augmente. Écoutez, il y a un niveau où tu n'as jamais le hier qui était mieux que demain là. Oh, la semaine passée, je vendais. Oh, le mois passé, ça allait. Non. Demain est tout meilleur. Aujourd'hui, tu as 100 000. Demain, tu as 150 000. Après-demain, tu as 250 000. Ça augmente. Vous comprenez? C'est comme ça la bénédiction de l'Éternel. Je veux qu'en sortant d'ici aujourd'hui, que vous vous leviez et vous compreniez que Seigneur, comme j'ai nettoyé mon cœur, et s'il y a des choses que vous devez arrêter ce soir, rentrez, vous arrêtez. S'il y a des numéros que vous devez supprimer de votre téléphone, supprimez. Le diable connaît votre destinée. Parfois, tu fais une relation avec quelqu'un, il sait que, ok, si tu es fidèle à l'homme-ci, dans 6 mois, il va t'épouser. Tous tes dragons vont venir te chercher. Tu ne fais même rien avec lui. Il voit tes statuts. Oui, bébé, comment tu vas? Ton gars va tomber sur le message de bébé là. Tu vas expliquer n'importe comment. Seulement parce que tu n'avais pas fermé certaines choses. Le diable connaît quand tes bénédictions arrivent. Maintenant, c'est à vous. Je sais que c'est difficile. Mon dragon là, j'avais marché derrière lui en 2014. Il m'appelle bébé aujourd'hui. J'avais toujours voulu quand même. Ta main fait comme ça là. Le diable vous connaît. Et il connaît quand les bénédictions arrivent. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme qui est avec toi. Quand un homme fait comme ça, ça casse son esprit. Tu as fini une relation et c'est là que tu es cassé. Donc tu vois la personne à terre. Que j'avais mon espoir sur la femme ici. Tu vas lui expliquer n'importe comment. Il ne t'avait pas dit ce qu'il planifiait faire avec le mois prochain. Maintenant il laisse. Il appelle et dit que laissez. C'est comme ça que tu tournes. C'est comme ça que vous irez dans les relations. Je vous en prie. Mettez la vérité dans vos choses. Résistez aux tentations. Parce que le diable va venir vous chercher. Il va venir vous chercher. Je vais vous donner donc Jacques chapitre 4. Pour les hommes, alors je n'en parle pas. Voilà le roi Hervé, il est venu cela le matin. Je lui disais que. Je lui demandais que. Mais, il dit que les femmes le draguent en désordre. Et c'est quelqu'un qui est marié. Et vous connaissez les jeunes filles d'aujourd'hui. Tu crois que c'est quel esprit qu'il y a dans la vie pour qu'elle te voit passer comme cela? Elle te poursuit seulement. Les filles qu'il y a cela 5 ans, 10 ans, tu cherchais. Aujourd'hui, elle vient seulement se jeter sur toi. Le diable a ses pièges. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résister au diable. Écoutez, c'est la première chose que tu fais d'abord. Après, il dit quoi? Et il fuira loin de vous. Tu attends que le gars arrête de t'appeler. Tu vas attendre longtemps. C'est toi qui dois fuir la situation. Et c'est que tu dis, parfois tu ne bloques pas, tu laisses. Dès qu'il t'appelle, deux fois tu décroches pas, la troisième fois tu décroches. Ma chérie, arrête. Bloque. Delete. Efface le numéro. Même si toi tu vas pas appeler, tu ne peux pas trouver le numéro là. C'est comme ça qu'on fait. Seigneur, je me concentre sur ce que tu as prévu pour moi. C'est très important. Même au bureau, les collègues. Un collègue peut venir voir comment le patron est gentil avec toi là. Il passe, il me ressale de réunion, voir comment le patron prévoit de te donner une promotion. Ah d'accord. Il va te gâter avec le patron là. Faites très attention. Et je suis qu'il y a beaucoup de choses que vous avez ratées dans votre vie. À cause des petites choses comme ça. Tu tournes encore peut-être 6 ans avant qu'un autre patron vienne pour te faire la faveur. Et dit verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Homme irrésolu. Irrésolu, ça veut dire qu'un jour tu veux, un jour tu ne veux pas. Un jour tu veux, un jour tu ne veux pas. Tu es comme ça.
Décide-toi aujourd'hui. Vous avez suivi? Voilà. Répétez donc après moi. Éternel des armées. Je viens te demander pardon. Pour toutes les fois où j'ai hésité. Toutes les fois où j'ai menti. Toutes les fois où j'ai laissé le diable m'utiliser. Pour faire fuir mes bénédictions. Je te soumets mon cœur. Je te soumets mon esprit. Dieu.